qui m'ont déjà vu faire mes tortillas, mais ça fait quand même un petit bout de temps. Puis je suis sûr qu'il y en a qui iront pas retourner voir les anciennes vidéos. Mais on va en faire ici. Normalement, c'est à peu près la même quantité de farine de maïs. Puis en passant, j'ai pris une nouvelle sorte de la panne, de la corn flour, c'est bien correct. C'est taille, c'est pas grave. La même affaire que la farine mexicaine. C'est juste de brasser ça un petit peu. Je vais faire ça comme ça. Ça veut pas prendre tout. Bon ben, on y reviendra, mais. Bon. Et seigneur, la technologie. Okay, on va essayer de brasser ça comme il faut. Ça veut pas prendre tout. Ça, le métal, il est pas moins. Ah! On va y arriver. On va y arriver. On va se brasser ça comme ça. Voilà. Bon. Donc, ça fait un petit peu. Ah, là, je vais enlever l'eau. Faut que je m'en rajoute un petit peu. Je mets l'eau froide, là, mais bon. Puis. Rien. Au début, je mettais mes mains direct dedans, là, parce que ça faisait plus typique, mais depuis que j'utilise une fourchette, j'aime pas mieux. On va mettre un petit peu de sel aussi, parce que ça donne toujours un petit goût à la tortilla. Bien, c'est pas long. Peut-être un petit peu plus. Ah non, ça va carré. Des fois, en la mettant, elle devient plus molle, mais avec le temps, c'est comme si la farine elle boit l'eau plus. Ça devient plus consistant, des fois, en dedans de 30 secondes. Là. Donc là, ça s'en vient. Je vais juste rajouter mon sel. Un petit peu. Toujours dans la main, non pas directement sur le stock, parce que tu peux scraper une recette assez facile. Je vais la presser un petit peu, là. Puis, je vois, finalement, ben là, j'ai plus. En tout cas, j'ai encore ma plaque en fonte dans l'entrepôt, mais j'ai pas accès. Donc, on va faire ça dans une poêle, là. Et puis, j'ai ma machine à tortilla et là. Que j'ai ramené de Puerto Vallarta il y a un bon petit moment. Donc, ça a l'air pas pire. On va essayer certain. Ah, elle est un petit peu molle. Elle est un petit peu molle. On va rajouter la farine. C'est consistant. Un petit peu comme ça. Ah, je peux juste en mettre un peu plus. C'est pas grave. Je passe un peu. On est un petit peu plus solide. Parce que sinon, ça se travaille mal, surtout quand on fait la tortilla ou quand il vient le temps de la retirer. Là. Donc, je vais avoir une poêle que je vais me prendre tout à l'heure, que je vais mettre à la place du poulet. Là, ou, je vais mettre le riz dans le lavabo, whatever, pas grave. Puis, je vais pouvoir commencer. Mais, t'as que ça. Ah, c'est un peu mieux. Mais on pourrait rajouter encore de la farine. On en rajoute encore un petit peu. Et si on en rajoute pas, je vais payer pour rajouter un petit peu d'eau. Okay, on va y aller doucement. Ça, ça va être correct. Et alors, ici, on en rajoute. On recommence. Ça va être bon parce que là j'ai du bon fromage mozzarella pour mettre dans mes tortillas. Fait que ça va être des quesadillas. Puis je pensais émietter mon poulet puis faire des petits morceaux de poulet dans ma tortilla. Mais je pense que je vais juste le manger à part. Puis dans ma tortilla, ben, je vais juste mettre le riz avec le brocoli. Puis le fromage là. Les oignons, j'en ai mis dans mon riz aussi. J'aurais pu me faire les oignons frits aussi, qui auraient été plus ce que je fais d'habitude. Mais là, on va faire un petit peu différent. Puis, c'est pas grave. Je pense que ça va être bon pareil. Ah, là, ça commence à la pesanteur. Ouais, ça en vient. Un petit peu. Ouais, ça va être bon. Oh, je pourrais rajouter un petit peu de farine encore, mais là je suis tanné. Ça va faire l'affaire pareil. Voilà. Donc, puis de toute façon, elle va continuer à boire l'eau d'ici le temps que ma poêle soit prête, que j'ai fait mes premières tortillas et tout. Là. Fait que, ça donne une belle boule comme ça. Puis je vais pouvoir le couper peut-être en 4 ou en 6. Ça va me faire des portions à peu près égales. Comme ça. Comme ça. Comme ça.
ça me fait 6 tortillas en principe. Ça, je vais pouvoir leur mettre ici. Ça, je vais mettre ça 2 secondes là. Je reviens.